Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur sur MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment MS Project calcule la date de fin par rapport à la durée que j'aurais choisi et du facteur de durée, c'est-à-dire, ben, soit je peux choisir jour, jour ouvré, semaine, semaine écoulée, mois, mois écoulé. Donc, on va voir un peu comment il va fonctionner. Avant toute chose, je vais vous montrer comment j'ai configuré la semaine de travail... Dans MS Project, donc dans Projet, modifier les horaires de travail. Et j'ai configuré comme ceci les horaires de travail. J'ai mis que une journée de travail, c'était de 9h à midi, 14h à 18h. Donc c'est de 9h à 18h avec une pause. Les samedis, dimanches sont chômés. Donc voilà une semaine de travail. 9h, 18h chaque jour et samedi, dimanche chômés. Pour aller voir aussi la configuration, je vais aller dans les options de MS Project et je regarde si ici dans l'échéancier, si c'est cohérent. Donc la semaine commence un lundi, l'exercice commence en janvier, le début de la journée c'est 9h, ça se termine à 18h, donc c'est bien cohérent avec mes horaires, 7h par jour, 35h par semaine, 20 jours par mois. Donc voilà, donc ça ce sont les contraintes, ce que j'ai mis comme... Donc, au point de vue du calendrier de MS Project, et ici des horaires de travail. Donc, je vais rentrer une tâche en mode automatique. Alors, j'ai dit jour, donc je vais commencer, je vais appeler cette tâche jour. Et la durée, par exemple, je vais mettre 4J pour 4 jours. Vous voyez que la tâche commence aujourd'hui, le mercredi 22-11 à 9h. Se termine le lundi 27-11 à 18h. Donc on le voit bien ici. Voilà. Et je vais même pouvoir descendre dans mon affichage. Voilà. Si je descends, on voit bien qu'elle commence ici à 9h. La pause, 12h-14h. Heures, heures que ça se termine à 18h, que la personne reprend le lendemain à 9h, etc., etc. Voilà. Maintenant, je vais mettre jour écoulé. Et je vais mettre 4JE pour 4 jours écoulés. Vous voyez qu'ici, au point de vue de la durée, 4 jours, 4 jours écoulés. Je commence aussi. Donc aujourd'hui, le 22-11 à 9h. Par contre, je termine le dimanche 26-11 à 9h. Alors pourquoi cette différence ben, Vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais commencer par 4 jours écoulés, qui est le plus simple et le plus facile à comprendre. 4 jours écoulés. Donc si je commence à travailler le mercredi à 9h, donc ça fait mercredi 9h jusqu'à jeudi 9h, un jour. Jeudi 9h jusqu'à vendredi 9h, 2 jours. Vendredi 9h, samedi 9h, 3 jours. Samedi 9h, dimanche 9h, 4 jours. Donc, ici, clairement, j'ai 4 journées de 24 heures. Donc, typiquement, ça serait un ordinateur, un serveur qui travaille 24 heures sur 24, un automate, un robot. Il n'y a pas de souci. Je lui dis 4 jours de travail et lui il va faire 4 journées de travail de 24 24 heures. Par contre, pour rappel, la journée de travail d'un salarié, donc je dirais humain, ben, il commence à 9 h termine à midi, fait une pause de midi à 14 h et reprend à 14 heures jusqu'à 18 h Donc c'est 9 h 18 h sa journée de travail en sachant que les samedis et dimanches sont chômés. Donc si je regarde ici, il va très bien travailler donc, de 9 heures Jusqu'à 18h, le mercredi. Le jeudi, il va travailler de 9h à 18h, deuxième jour de travail. Le vendredi, il va travailler de 9h à 18h, troisième jour. Samedi, dimanche, chômé. Et lundi, il va recommencer 9h-18h, ce qui lui fera bien ces quatre jours. Donc, il va commencer son travail. Le mercredi à 9h pour le terminer le lundi à 18h, ce qui fera bien 4 journées de travail, mais dans les contraintes suivantes, en travaillant de 9h à 18h et les samedis, dimanches chômés. Or, que jour écoulé, c'est 4 journées de 24h. Je vais faire un test avec les semaines, donc je vais marquer ici semaine et je vais mettre par exemple 3 semaines, donc 3. SM Ici, je vois que je commence donc toujours pareil le 22/11 à 9h. Par contre, je termine si je regarde le mardi 12 à 18h. On va faire un test pour voir comment ça va se terminer au point de vue de semaines écoulées. J'ai oublié de marquer le écoulé. Voilà. Et je vais marquer 3 SME pour 3 semaines écoulées. Et cette fois-ci, je commence toujours le mercredi 11 à 9h. Par contre, la semaine, donc 3 semaines écoulées, je vais terminer le mercredi. 13 à 9 heures. Donc, reprenons un calendrier. J'ai dit 3 semaines. Donc 3 semaines, c'est 3 fois 7, 21 jours. Donc voyons voir pour les semaines écoulées. Je commence le 22. Donc ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours. J'arrive à 9 jours. Je vais sur descendre. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 donc il va bien faire 21 jours de 24 heures donc commençant le 22 11 à 9h il terminera le mercredi 13 décembre 21 jours de plus tard, donc 21 jours de 24 heures de travail. Donc il aura bien travaillé 21 jours, 3 semaines de 24 heures. Pour ce qui concerne le salarié, je vous rappelle que sa semaine de travail c'est de 9h à 18h pour la journée, donc 9 h 18 heures, que sa semaine c'est du lundi au vendredi, il ne travaille pas les samedis dimanches, et que j'ai déterminé dans les options que il y avait 20 jours par mois. 20 jours par mois, c'est quoi C'est 4 semaines de 5 jours. Donc 3 semaines on revient à travailler 15 jours. Je reprends mon calendrier. Donc ici, il va travailler 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. 7 jours, donc je ne prends pas les samedis-dimanches, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, pas les samedis-dimanches, 13 jours, 14 jours, avec la dernière journée, donc le 12, où il va travailler aussi jusqu'à 18h. Donc j'ai bien ici 15 jours de travail. du 22 11 au 12 12, il y aura 15 jours. Donc avec les lundis, les mardis, mercredis, jeudi, vendredis, sans les samedis, dimanches et en travaillant de 9h à 18h. Donc c'est pour ça qu'il termine le 22 à 18h pour faire le 15e jour et que l'ordinateur, lui, termine le 13 à 9h parce qu'il aura fait 21 jours de travail mais de 24 h Évidemment, sans faire, j'irais de grands calculs. Si ici je fais en mois, voilà, un mois c'est 20 jours de travail du lundi au vendredi sans les samedis dimanches 9h-18h. Et si je fais mois écoulé. Je mets un mois écoulé. Vous voyez que je commence à la même heure, mais je vais terminer le 22, car ici, j'aurai donc 30 jours ou 31 jours de travail pour arriver du mercredi 22 au vendredi 22-12. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project.